Voici Microméga, une œuvre de Voltaire, présentée par les Editions Spell, et aussi sur notre blog, auteur-éditeur sur kindle.com. Vous trouverez dans la collection littérature française des Editions Spell. Microméga. Plus précisément, je vous présente l'auteur Voltaire. François-Marie Herouet, dit Voltaire. Né le 21 novembre 1694 à Paris, ville où il est. Mort le 30 mai 1778, à 83 ans. Écrivain et philosophe français qui a marqué le XVIIIe siècle. Aujourd'hui vous pouvez écouter un extrait de son livre. Microméga. Bien entendu vous pouvez télécharger gratuitement le livre complet en PDF sur le lien suivant, http://go.gl/o7f6u. Voici un extrait du livre Microméga de Voltaire. Dans une de ces planètes qui tournent autour de l'étoile nommée Sirius, il y avait un jeune homme de beaucoup d'esprit, que j'ai eu l'honneur de connaître dans le dernier voyage qu'il fit sur notre petite fourmilière. Il s'appelait Microméga, nom qui convient fort à tous les grands. Il avait 8 lieues de haut, j'entends, par 8 lieues, 24 000 pas géométriques de 5 pieds chacun. Quelques algébristes, gens toujours utiles au public, prendront sur le champ la plume, et trouveront que, puisque Monsieur Microméga, habitant du pays de Sirius, a de la tête aux pieds 24 000 pas, qui font 120 000 pieds de roi, et que nous autres, citoyens de la Terre, nous n'avons guère que 5 pieds, et que notre globe a 9 000 lieues de tour, ils trouveront, dis-je, qu'il faut absolument que le globe qu'il a produit ait au juste 21 600 000 fois plus de circonférence que notre petite Terre. Rien n'est plus simple et plus ordinaire dans la nature. Les états de quelques souverains d'Allemagne ou d'Italie, dont on peut faire le tour en une demi-heure, comparés à l'empire de Turquie, de Moscovie ou de la Chine, ne sont qu'une très faible image des prodigieuses différences que la nature a mises dans tous les êtres. La taille de son excellence étant de la hauteur que j'ai dite, tous nos sculpteurs et tous nos peintres conviendront sans peine que sa ceinture peut avoir 50 000 pieds de roi de tour, ce qui fait une très jolie proportion. Quant à son esprit, c'est un des plus cultivés que nous avons, il sait beaucoup de choses, il en a inventé quelques-unes, il n'avait pas encore 250 ans, et il étudiait, selon la coutume, au collège des jésuites de sa planète, lorsqu'il devina, par la force de son esprit, plus de 50 propositions d'Euclide. C'est 18 de plus que Blaise Pascal, lequel, après en avoir deviné 32 en se jouant, à ce que dit sa sœur, devint depuis un géomètre assez médiocre, et un fort mauvais métaphysicien. Vers les 450 ans, au sortir de l'enfance, il disséqua beaucoup de ces petits insectes qui n'ont pas 100 pieds de diamètre, et qui se dérobent aux microscopes ordinaires. Il en composa un livre fort curieux, mais qui lui fit quelques affaires. Le mufti de son pays, grand vétillard, et fort ignorant, trouva dans son livre des propositions suspectes, malsonnantes, téméraires, hérétiques, sentant l'hérésie, et le poursuivit vivement. Il s'agissait de savoir si la forme substantielle des puces de Sirius était de même nature que celle des colimaçons. Microméga se défendit avec esprit, il mit les femmes de son côté, le procès dura 220 ans. Enfin le mufti fit condamner le livre par des jurisconsultes qui ne l'avaient pas lu, et l'auteur eut ordre de ne paraître à la cour de 800 années. Il ne fut que médiocrement affligé d'être banni d'une cour qui n'était remplie que de tracasseries et de petitesses. Il fit une chanson fort plaisante contre le mufti, dont celui-ci ne s'embarrassa guère, et il se mit à voyager de planète en planète, pour achever de se former l'esprit et le cœur, comme l'on dit. Ceux qui ne voyagent qu'en chaise de poste ou en berline seront sans doute étonnés des équipages de là-haut, car nous autres, sur notre petit tas de boue, nous ne concevons rien au-delà de nos usages. Notre voyageur connaissait merveilleusement les lois de la gravitation et toutes les forces attractives et répulsives. Il s'en servait si à propos que, tantôt à l'aide d'un rayon du soleil, tantôt par la commodité d'une comète, il allait de globe en globe, lui et les siens, comme un oiseau voltige de branche en branche. Il parcourut la voie lactée en peu de temps, et je suis obligé d'avouer qu'il ne vit jamais à travers les étoiles dont elle est semée ce beau ciel empiré que l'illustre vicaire d'Hérum se vante d'avoir vu au bout de sa lunette. Ce n'est pas que je prétende que Monsieur d'Hérum est mal vu, à Dieu ne plaise. Mais Microméga était sur les lieux, c'est un bon observateur et je ne veux contredire personne. Microméga, après avoir bien tourné, arriva dans le globe de Saturne. Quelque accoutumé qu'il fût à voir des choses nouvelles, il ne put d'abord, en voyant la petitesse du globe et de ses habitants, se défendre de ce sourire de supériorité qui échappe quelquefois aux plus sages.
Car enfin Saturne n'est guère que 900 fois plus gros que la Terre, et les citoyens de ce pays-là sont des nains qui n'ont que 1000 toises de haut ou environ. Il s'en moqua un peu d'abord avec ces gens, à peu près comme un musicien italien se met à rire de la musique de Lully quand il vient en France. Mais comme le Syrien avait un bon esprit, il comprit bien vite qu'un être pensant peut fort bien n'être pas ridicule pour n'avoir que 6000 pieds de haut. Il se familiarisa avec les Saturniens, après les avoir étonnés. Il lia une étroite amitié avec le secrétaire de l'Académie de Saturne, homme de beaucoup d'esprit, qui n'avait à la vérité rien inventé, mais qui rendait un fort bon compte des inventions des autres, et qui faisait passablement de petits vers et de grands calculs. Aujourd'hui vous pouvez écouter un extrait de son livre. Microméga. Bien entendu vous pouvez télécharger gratuitement le livre complet en PDF sur le lien suivant http://go.gl/o7f6u. Visitez notre blog. Auteur-éditeur sur kindle.com. Vous y trouverez de nombreux livres numériques en PDF, sur la littérature française gratuitement. Nous vous remercions par avance de faire connaître notre blog à vos amis et connaissances. Vous trouverez aussi le livre complet en PDF à votre disposition sur ce lien. Microméga de Voltaire http://go.gl/o7f6u. Les Yiddish Spell. Merci de votre visite et bonne lecture. Vous avez écouté un extrait de Microméga de Voltaire, proposé par les Yiddish Spell. Maintenant visitez notre blog auteur-éditeur sur kindle.com.